Congo, c'est que M. Kabila s'est organisé pour mettre en place un parlement, je dis bien un parlement, c'est-à-dire le Sénat et l'Assemblée nationale, avec des assemblées provinciales, des gouvernements provinciaux qui sont à lui, qui lui obéissent. Parce que UDPS, ils ont été victimes, il y a Makambo, Tozo Bundela Lelo. Azali quelque part peu victime. J'insiste bien, quelque part peu victime. Est-ce que nombre de candidats UDPS aligné qui n'a assemblé dans l'élection nationale, plutôt dans la députation nationale, Oyo Bimisawana, est-ce que Zali Oyo Yé a croyé qu'on soit normalement? Bisso MLC, Tozala proclamé 22 élus. Et puis cours constitutionnel à Kati Oyaye, Totikala 17, Totikala Koutoumoukie, mais Nicolo ya. Il y a jurisprudence qui boucle. Totali pour Nabola moi Congo. Tobi lelo et tumbo bako bundisaka Félix et elle est tumbayaye na Kabila te to na IDPS FCCT. Elle est tumbaya FCC na Congo. Et bon biso to kanga maboko Tobi. Oh ezaye ko kabola biso. Oh ezoki seki biso. Toti yango pembeni. To sai mabla. Ça y est, on dit mana oke bozongani na bino IDPS na la moka bazongi. IDPS na biso to zali kota la même direction. To zali kota la intérêt ya peuple. Tozonganite ye azali na pouvoir biso tozali na opposition mais dès lors que moni que ba intérêt ya peuple ezali mis en jeu oyo ko ko sala que lobby azala na problème a koti na nzela no on encore yango na bina yo mama IDPS ali pati au pouvoir biso to ka bo kontina ye te to ko sala deal pour na Congo to ko yoka na po Congo bika. Tu as dit que mon côté, et que ça m'a dit. Tu as dit que la coalition de l'IDPS était. Et que ça passe, tu as parti et l'opposition. Et tu as parti au pouvoir. Quand si Katika a dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que Congo, tu as dit que Félix a dit que le Congo wana moi, je suis dit que biso peto dit que tu as dit que tu as wana que wana yango toto sa. Moment où tu es comme moment biso peuple congolais to sangana. To bim samboka na biso na libulu. Pourquoi? Ba mafie oyo ba détruit mboka oyo. Ba koki jamais ba linga mboka oyo et se développer. Ba olingate. Besoin na bango za ba chaba kuba partout. Congolais vivre na misère. Mais ba tunsu ba ofanda toujours bien. Et je demande à tout le monde, surtout à mes frères et sœurs congolais, d'arrêter. Comme a dit les Massolo, des bavardages inutiles, ça ne nous amène à rien. Nous avons un pays à défendre. Il y a des amis qui ont jeté leur dévolu sur notre pays. Et nous, nous sommes en train de nous amuser. Nous sommes en train de disputer. Donc, il y a des gens qui sont là et ils ont compris ce que nous sommes. Et ils mettent entre nous des sujets inutiles, des discussions pour nous distraire. Pendant ce temps-là, ils sont en train de balkaniser notre pays. Pendant ce temps-là, Kabila est en train de faire sa principauté de Tanganyika. Pendant ce temps-là, notre coltan, notre cobalt, nos autres minéraux sont en train d'être bradés, vendus, et nous ne gagnons pas. Demain, ce ne sont pas des matières premières, des ressources inépuisables. Ok ? Et donc, qu'est-ce que nous faisons? Et je demande à mes frères et sœurs, s'il vous plaît, ressaisissons-nous. Le long de Tobandi, il faut comprendre que toi là qui es en otage. Le long de Tobandi, il faut comprendre que. Et l'autre est ici qui bat Kanga. Donc, Kabila m'a dit que le bicône de Longwa Congolais n'a été qu'en Mali, au commis à Boubacar. Longwa Awa n'a été qu'en Égypte, au commis Salah. Pourquoi? Puisque Mboka Nyonso est vendu à Kabila. Économie. Justice. Donc, dans le bas, tout, et le Komoko est en quitté. Ndeko, Christian Bosembe, Nazo Yebisayo, le Congo est entre les mains des mafiés. Ba mafiés, ba bundisa, bango libandate. Il faut que tu aies un circuit fermé na bango pour une bango betana. Ndeko facha ou sala sikoyo. La stratégie habituelle du président Kabila et des siens a toujours été de chercher chaque fois qu'il y a une tempête. Chercher un amortisseur, un bouclier, d'où le premier ministre avec Kodjo, le premier ministre avec
l'accord biaisé, totalement détourné de sa finalité. Je ne cite pas les noms des gens. Et parce que la tempête était toujours forte, même maintenant, elle souffle. Alors, nous acceptons de travailler avec Félix pour lui faire jouer le rôle. Mais ils ont oublié que Félix a des origines politiques, a un parti qui a une histoire, qui a un projet de société, que Félix a un cursus politique. Et il a aussi sa vision de l'avenir du pays qu'il a toujours exposé. Vous pensez que Fachi a coco trahir lui pour la coalition? Voilà pourquoi Boyoka Mukonzambo Kaluba qui entre l'accord et le peuple d'abord. Se rendant compte maintenant que ce n'est pas ce qu'il, le rôle qu'il voulait lui faire jouer que le Félix joue. Félix est en train de jouer un rôle en se disant « je dois rencontrer le peuple ». Et c'est légitime qu'il ait l'ambition de continuer au-delà de 2023 parce que la Constitution ne lui interdit pas. Il ne peut pas reproduire le projet de société, les méthodes, la conception du pouvoir de l'ancien chef de l'État, le président Kabila, avec sa famille politique. Là, il se met dedans. En s'autodétruisant, d'ailleurs. Oui, en s'autodétruisant. Vous voyez? Alors, ils se disent, non, ça, on ne peut pas le laisser continuer à travailler. Il faut bloquer. Il faut embrouiller les cartes. Il faut embrouiller les cartes. Parce que si Félix réussit, c'est à son actif. Et s'il réussit aussi, il ouvre bien les yeux politiques comme il est en train de le faire. Le FCC n'a plus intérêt à la bonne gouvernance, à la bonne gestion, au progrès. C'est pas leur problème. Donc, qu'est-ce qui nous reste? Récupérer le parquet. Je vous ai dit comment on a fait avec Katumbi. Récupérer la CENI vite. Et nous avons les deux instruments qui nous ont permis toujours de rester au pouvoir et qui vont nous permettre de revenir. Parce que je vous ai dit que le pouvoir organisateur, c'est la CENI. En fait, c'est ça la vérité. La vérité est c'est là. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Les gens ne comprennent pas. L'enjeu, c'est ça. L'enjeu, c'est, il est là. Vous avez vu, on fait le procès Caméré, ça passe, et top, immédiatement, on nous amène le loi pour que le ministre de la Justice, qui doit être le ministre de FCC, si la coalition continue, jusqu'à la fin. C'est ça. La plupart des compatriotes ne comprennent pas ce qui se passe. Peuple congolais, c'est le moment de Fomolamisu. Soutenons Fachi. Fachi, c'est notre sang. Fachi, c'est notre frère. Tobatela la République démocratique du Congo. Un mot, le Congo. Voilà. Est-ce que je peux vous interrompre juste pour vous savoir qu'est-ce que vous auriez fait si vous étiez Félix Tshisekedi par rapport à la leçon dont vous dites que le Premier ministre lui donne? Mais qu'est-ce que le Premier ministre, le ministre, dans une démocratie, ce sont des fusibles. Ils sautent. Le Premier ministre, si vous n'êtes pas d'accord ou vous donnez, vous discutez d'homme à homme, d'homme à femme, femme à homme, comme vous voulez, vous discutez et si vous ne mettez pas d'accord, vous démissionnez. On a vu ici avec Bolton, on voit partout, vous démissionnez, vous dites que non, je ne peux plus et je démissionne. On nous apprend qu'il dit que le ministre de la Justice doit démissionner. Le ministre de la Justice est là jusqu'à aujourd'hui. Et vous auriez fait quoi, vous? Ben, je vais vous donner la réponse. Pour le ministre de la Justice? Ben, la même chose. Le pousser à démissionner? Ben, pas le pousser à démissionner. Le révoquer? S'il ne démissionne pas, parce qu'on doit être gentleman, s'il ne démissionne pas, il y a un mini-remaniement. Il part. Mais écoutez, la démocratie a ses règles, a ses principes. Celui qui déclenche la crise, c'est qui? C'est le FCC. Pour ne pas dire le président Kabila et les siens. Mais comme l'a dit Félix Tshisekedi, quelle que puisse être la majorité, même des 99%, elle ne lui est pas autorisée d'aller à l'encontre des principes et des valeurs de la République, des aspirations du peuple. Mais eux, non. Nos amis ont une difficulté qui est permanente. S'adapter. Vous voulez rester au pouvoir? Aller dans le sens de ce que le peuple veut. Ils veulent rester avec le vieux système. Oui, oui. Le pouvoir a ses contraintes. FCC,